Le Brésil s'enfonce dans la récession. Son produit intérieur brut s'est contracté de 1,7% au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent, bien plus que ne le redoutaient les économistes. En glissement annuel, cela représente une croissance négative de 4,5%. Le programme d'austérité lancé par la présidente Dilma Rousseff ne parvient pas à combler le déficit public. Les recettes fiscales diminuent avec la hausse du chômage et les augmentations d'impôts entament le pouvoir d'achat des ménages. En un an, l'investissement a lui reculé de 15%.